ici au stade général Lassana Conte de Nongo. Et c'est parti, le coup d'envoi entre ces deux formations. L'équipe ghanéenne qui va mettre au milieu de terrain, la remontée du terrain, la bonne passe. Il y avait le pied pour récupérer cette balle. Salima Toudiop qui a été prise en chandiche. L'extérieur de pied, c'était très bien senti de la part de l'équipe ghanéenne. Les Ghanéens à l'assaut. La belle récupération, ça part d'un camp à l'autre. Ça commence à filer entre ces deux formations. Ici au stade général Lassana Conte. Mais quel extérieur de pied de la part de Fatoumata Dédé. Ah oui, c'était bien senti. L'équipe ghanéenne commence à mettre le feu. Oh là 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 là. Ça commence à y être l'intention, l'intensité. Ça va péter ici tout à l'heure. Mais quel gardien par là. Et c'est un plaisir d'avoir observé vraiment que la formation ghanéenne essaie de révolutionner. Mais ça va se dégager pour qui? Ça va tomber sur le pied de Yvonne Poli qui va se dégager rapidement. Mais pardon, c'était Habibatou Koumassa. Mais ça ne va pas partir très loin. Et ça sera récupéré rapidement sur le couloir 3. Ça sera rapidement une chose favorable. L'équipe ghanéenne, le pressing, ça va rapidement partir sur le pied pour l'équipe du Ghana. Et Yvonne Collier qui a anticipé, l'équipe ghanéenne qui va mettre dans la boîte. Attention, mais quel loupé de la part de Doris Baudoua, complètement cramé sur ce côté, cette petite. Ça joue le feu. L'équipe ghanéenne, attention. Ouh là 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 là. Et c'est erreur d'analyse, erreur d'appréciation. Sur tout Doumbouya, le rythme insoutenable, c'est le feu que le Ghana impose ici. Il faudrait faire attention, ça va complètement chavirer ici, puisque avec les passe-trous, l'équipe guinéenne est complètement perturbée dans ses sorties de balle. Attention à Ezeni Daniel Lama qui a perdu complètement les radars. L'équipe ghanéenne qui va mettre le tempo. Ça continue à 25 mètres. Aïkaï! Ouh là 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 là! Mais quelle claquette de la part de Mao Traoré! Il a récupéré des balles profondeur. Sur un. Arrêté pour l'équipe ghanéenne. Doumbouya, attention à cette hauteur qui a été prise par cette attaquante ghanéenne. Ça va continuer de nouveau. Ouh là 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 là! Ça sent. On a dit, c'est l'équipe nationale qui doit jouer. On va sur voilà. Le coup de pied arrêté. Grèce! Ouh là 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 là! C'était une détente. Non, pour franchement sortir de l'élan, mais franchement, elle ne se retrouve pas. Et est-ce que. Voilà! Et déjà, c'est l'aggravation du score. 2-0 pour le Ghana. Et voilà! Et voilà, c'est l'aggravation du score. Ça commence à tomber comme de la pluie pour l'équipe du Ghana. Mais quel relâchement! Partir avec Eugénie Daniel Lama qui devrait conserver la balle, mais ça va partir avec le box boss. Oh non, c'est compliqué pour lui et ça va partir s'il n'est pas encore fini. Mais oh quelle occasion! Quelle occasion vendangée par l'équipe guinéenne! Mais il faut dire ici l'intelligence de la défense ghanéenne. Mais cette joueuse du coffre, elle a tenu le tempo et ça passe d'un camp à l'autre. Attention à cette percussion. Ça ne s'est pas retardé sur cette offensive ghanéenne. Incompréhension totale. Si ça, vous n'avez pas manqué de le rappeler, c'était bien la précision. Mais attention à cette contre-attaque de l'équipe ghanéenne. Ça a perturbé sur la défense. Ah oui, c'était dans le dernier geste maître. Fatoumata Dédé Diallo qui pivote sur cette balle-là, mais elle n'a pas pu avoir le contrôle. L'équipe ghanéenne qui va enclencher la contre-attaque. Que vont-elles faire le duel? Ça se joue. Oh là 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 là.
Il n'est pas parti loin et pour l'instant, corner encore pour l'équipe du Ghana. Après 3 minutes de jeu dans cette seconde explication, l'équipe ghanéenne, attention, dans la surface de réparation. Ouh là 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 là. Venir ici, Fatouma Tadéré qui va partir. L'équipe de nation qui est là, repoussée, il s'agit de Doussou Diombé, donc ça va partir. Oh non, c'était vraiment quelque chose qui va. Et ça va partir de l'autre côté. Il s'agit de ce Dersala, numéro 13 de la formation du Ghana. Il va rapidement partir. Il va essayer de chercher une information de l'autre côté. Oh là là, oh oui, c'est un hors-jeu. Le fagnon s'élève de l'autre côté avec la République. Si on le voit, c'est la partie là. Si on a micro à l'autre. On va suivre la contre-attaque. L'équipe ghanéenne. La percussion. Attention. Ouh là là. Raté. Ouh, double sauvetage de la part de Mao Traoré. Junior Doumbouya. Et c'est Oumar Baldé. Mais quelle intervention clinique. Même dans PC, cette équipe ghanéenne qui est complètement étouffée, qui est en train de donner tout pour. Est-ce que ça va encore repartir? C'est aussi ça. Malgré le courage, malgré la motivation et l'engagement de ces joueuses guinéennes, c'est Evelyn Bannou qui vient de faire sauter ici la défense guinéenne. Allez. Ça ne va pas partir très loin. La partie est quand même maîtrisée par les Ghanaiens. Ça va partir sur le côté droit. Le côté droit, elle va éliminer. Il va se nommer face à l'attaquante de la formation du Ghana. Elle va pousser. Non, c'est vraiment une chose. C'est son fils de Sinéad qui est là. Ah oui.